Un ancien ami, bon, je dis ça un ancien, une connaissance, Olivier Faucan, qui est très introduit dans le milieu de l'entrepreneuriat, du business et tout, était, oh, je ne sais pas s'il est basé en Côte d'Ivoire, était dans une émission en Côte d'Ivoire du journaliste, ancien journaliste de Canal Plus, Malik. Il a fait certaines révélations, les amis, concernant cette brouhaha entre Samuel Eto'o et Moelle Ekombi. Il explique clairement que Samuel Eto'o a rencontré Paul Barthélemy Biabi Vondor il y a de cela un mois. Et que avant de quitter le Cameroun pour aller en Italie et après à Bangkok pour le congrès de la FIFA, le 74e congrès de la FIFA. Et que le président Paul Barthélemy Biabi Vondor lui a dit clairement qu'il est là pour moderniser la Fédération camerounaise de football. Donc, quand Eto'o rentre au Cameroun, quand il continue d'insister qu'on respecte les textes, les gens devraient comprendre qu'il ne pouvait pas insister comme ça sans avoir certaines garanties. Et même dans sa sortie, c'est pour ceux qui l'ont écouté bien, il a dit qu'il fait tout pour que le droit soit respecté. Il a dit ça de façon subtile. Allez écouter encore le discours qu'il a fait devant les journalistes à la Fédération camerounaise de football. Et certaines personnes disent que Eto'o a demandé pardon à Marc Brice. Ce n'est pas vrai. Eto'o n'a pas demandé pardon à Marc Brice. Au départ, moi, j'ai pensé comme ça. Mais j'ai écouté donc attentivement cette vidéo. Je me suis arrêté dans cette partie-là pour mieux comprendre. Les amis, il n'a jamais demandé pardon. Je vous invite d'aller suivre encore attentivement. Moi, je suis Bamenda, anglophone, proudly so. Donc, j'espère que vous, ceux qui sont francophones, francophiles, vont aller écouter pour comprendre. N'écoutez pas avec la détestation d'Eto. Écoutez seulement pour comprendre ce que je viens de dire là, si Eto a véritablement demandé pardon à Magris ou pas. Il y a gens qui connaissent bien l'homme, hein. Même dans sa façon de faire, même quand il demande les excuses, il reste droit dans ses bottes. Il est un homme de conviction. N'en déplaise. Et aujourd'hui, la défaite de l'autre camp leur pousse à envoyer les cyberactivistes à écrire du n'importe quoi sur les RS. Ils font du cinéma, des scénarios et tout cela. Tout cela est faux, les amis. Ceux qui vont gérer la fédération, le Lions Indomptables sont connus. La FECAFOOT a déjà publié sur sa page Facebook. S'il y avait un autre démenti, ça devait déjà sortir depuis. Vous avez vu comment la CIATF était prompte à dédier la fédération sur le fait que Eto'o avait suspendu Marc Brice. Mais cette fois-ci, même Cameroun Tribune, tout le monde s'aligne, personne ne peut parler, les amis. Donc, il faut que vous compreniez cela. Je ne sais pas comment il a dormi au Mambig, Banlog, ils ont dormi à Lyon-Boucar et les autres. Mais malheureusement, le procédé de leur nomination ne respectait pas les règles. On les a nommés uniquement pour humilier Samuel Eto'o. Et comme il n'est pas quelqu'un à se laisser faire, il a discuté avec eux jusqu'à la dernière minute. Et les amis, il a eu gain de cause. Les journaux ont titré, chacun parle, chacun dit sa part. D'accord, les amis, on parle de paix des braves. Mais seulement si on regarde à la sortie du communiqué de la Fédération camerounaise de football. Ce sont des propositions faites par Eto'o depuis 2 mois aujourd'hui. Et à la fin, on a accepté. Donc, ça veut dire que quoi, les amis? Ça corrobore ce que je vais vous faire écouter. Olivier Faucan parle de cette rencontre et dit qu'on n'a jamais eu ce genre de conflit entre un ministre tout-puissant et un président d'une fédération. Et que Eto'o était assuré d'avoir le soutien des hautes autorités. Par contre, les autres parlaient de hauts accords, de hautes instructions et autres. Et il y a même un monsieur qui a dit que c'est le président qui les a nommés, en oubliant que ce même président rencontre les gens en dehors des ministres. Il rencontre des gens. Il y a même certains ministres qui sont là, depuis qu'ils sont ministres, n'ont jamais rencontré le président. Ils rencontrent le président quand il y a des événements officiels comme le 20 mai et tout ça, quand il y a un événement au palais présidentiel, ils saluent le président, mais ils ne rencontrent pas le président. Donc, les amis, je vous suggère d'écouter la première partie. Mais Eto'o a rencontré le président de Yahya il y a presque un mois. Et au cours de cette rencontre, Bien. il a été conforté. Le président lui a dit clairement qu'il est à la FECAFOOT pour moderniser la fédération.
Et la mini a grandi et il n'a pas demandé que les gens viennent l'enlever ou qu'on le mette sous tutelle. Posez-vous une question. Pour quelle raison Eto'o a tenu autant de temps? Il n'y a eu jamais un combat aussi épique entre une fédération et un ministre aussi puissant, avec tout le soutien qu'il avait. Alors si Eto'o a tenu bon, c'est parce qu'il savait qu'il était dans son endroit. Et pour ceux qui connaissent un peu comment le président Biya réagit, il tient compte du droit. Et sur le droit, Eto'o a raison. Je crois que pour comprendre où est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui, il faut peut-être aller à la genèse du problème. Alors, de quoi il s'agit? Les textes de la fédération disent que le président de la FECAFOOT propose au ministre une shortlist et à partir de cette shortlist, le ministre choisit un sélectionneur. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, le ministre a retenu pour prendre son coach hors de la liste des. Voilà pour vous la première partie, les amis. C'est clair. Il est introduit, Olivier Faucan. Je le connais très bien et je le connais très bien. J'ai une connaissance. Par rapport à ses activités, les amis, son travail, parce que voilà, on s'est vu plusieurs fois dans ma carrière d'homme de médias. Et je vous suggère donc d'écouter la deuxième partie, voilà, sans attendre. Que Samuel Eto'o ait proposé des noms comme Hervé Renard, José Pécéro, il me semble. On n'a pas tenu compte de tout ça, on est sorti pour aller chercher un autre entraîneur, c'est Voilà. ça? À partir de ce moment-là, il y avait déjà une crise à la FECAFOOT, entre la FECAFOOT et le MINSEP. Plus grave encore, le ministre a nommé tout le staff, même le staff qui revient de droit à la FECAFOOT. C'était là le cœur du problème. C'est-à-dire que si le ministre était limité au sélectionneur, il n'y aurait pas eu de problème. Mais en plus, il a nommé tout le monde. Or, les textes disent que c'est la FECAFOOT qui doit nommer. Vous avez vu, on s'est retrouvé avec deux staffs, le staff du ministère et le staff de la FECAFOOT. Et l'erreur que le coach a commise, c'est d'avoir la grosse tête de penser que c'est un ministre qui décidait. Vous avez vu son attitude face à Eto'o, c'est impardonnable. Et vous ne pouvez pas voir dans une fédération dans le monde un sélectionneur qui nargue son président. Ce n'est pas possible. Mais je crois qu'il n'avait pas compris qu'il était dans le continent. Il n'a pas vraiment compris qu'il y a Samuel Eto'o. Voilà. Finalement, au Cameroun, ça a même créé un incident diplomatique, j'ai envie de dire. Oui, puisque l'ambassadeur de Belgique s'y est mêlé et a passé un coup de fil à son sélectionneur, son compatriote, pour lui. Fais attention, ce monsieur, c'est pas n'importe qui. Et puis, il y a plusieurs célébrités, il y a plusieurs stars qui ont réagi pour dire leur colère de voir comment un sélectionneur peut traiter Samuel J'ai vu Eto'o. notamment Mokobé hier qui avait fait. Voilà, les amis, les déclarations en mondovision de Olivier Faucan. Il ne fait pas partie de ceux qui font la fanfaronnade, ceux qui écrivent à longueur de journée exclusivité, qui sont en étranger, qui sont en train de mentir des gens, qui n'arrivent pas à voir la vérité. On publie un communiqué pour parler d'un staff. Après, quelqu'un vient dire non, c'est faux, ce n'est pas vrai. Lui qui, ceux qui lui payent pour dire non, 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 les amis, savent que c'est bon. C'est bon là, on les a battus à plate couture. Il y a même un journaliste, que je ne vais pas citer son nom ici, qui a dit que Eto'o a égalisé à la 90e minute. Et il a mis un but en or. Donc, il a mis les gens en veste KO. Vous avez vu vous-même, non? On les a mis KO. Et moi, j'ai salué dans une vidéo la maestra avec laquelle M. Dissaké Mbarga a géré cette histoire avec Eto'o Fils au niveau de la FECAFOOT. C'est comme ça. Un fonctionnaire, haut fonctionnaire. Un haut fonctionnaire, ce n'est pas celui qui fait la fanfaronnade, qui confond sa position de fonctionnaire à un propriétaire d'un ministère ou quoi que ce soit, les amis. Voilà pour vous ce qui s'est passé. Donc, Olivier Faucan affirme, il est bien introduit, que Eto'o a rencontré Paul Barthélemy Biya il y a un mois. C'est la raison pour laquelle il disait que ça ne vient pas du président de la République. Ça ne vient pas du président de la République. Et il fallait juste respecter les textes. Et les amis, les prochaines batailles d'Eto'o, ça doit être cette convention. Il faut revoir tout dans cette convention pour pouvoir gérer librement les choses. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.